Salut à tous, c'est MaxDK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator. Donc sur la carrière suivie 98% d'odds. Alors pour commencer, je me rappelle plus. Ah voilà, on va démarrer cette moissonneuse et il me semble qu'on en avait acheté une deuxième. C'est exactement ça. Hop, on va démarrer celui-là. Oups, désolé pour le petit bruit de micro. Ah voilà. Allez, c'est parti. Hop, on va cacher ce truc. Ok, donc lui il continue tranquillement. Qu'est-ce qu'on avait dit que je ferais? Attendez. On va peut-être aller être lui. Hop, 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 mes jeux intérieurs. C'est mieux. Ça va être chaud, mais ça va passer. J'ai toujours pas trouvé de d'ensileuse d'uds. Je cherche, mais je ne trouve pas. Alors vraiment, s'il vous plaît, aidez-moi parce que là, pour le coup, je suis vraiment désespéré. Je trouve rien du tout. Et en plus, je fais n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment, enfin, pas désespéré, mais j'en ai marre de chercher. Alors, si vous pouvez m'y aider, ce serait vraiment, vraiment super. Parce que là, je ne trouve rien du tout. Quitte à croire que maintenant, enfin, ça n'existe pas, même si je pense que ça n'existe pas vraiment maintenant. Mais bon. Début de vidéo très très bizarre. Enfin bref, c'est pas grave. On va aller vider cette moissonneuse. Hop. Ah, elle est vraiment très très bien cette coupe. Hop. Ouais, parfait. Faudrait vraiment que je l'installe sur l'autre moissonneuse. What? Je n'ai pas de quoi. De toute façon, il n'y a plus rien dans la remorque. Ok. On va aller vider l'autre. On se promène, oui. Oh, l'argent, comment elle baisse vite. C'est un truc de fou. Ah là là, mon micro il est trop près sur lui. Ah, je conduis comme un fou. Voilà, c'est mieux. Toit panoramique et tout. Ah, c'est le soir. Alors, est-ce que lui il a bientôt terminé? Ok, donc lui a bientôt terminé. Sauf que lui va carrément plus vite. Et lui là-bas, il a bientôt terminé? Ouais, c'est pareil. Il est pas loin de la fin. Il est à la moitié quoi. Donc ça avance assez vite quand même. Hop. C'est bon, je te gêne pas. Parfait. Hop, c'est parti. On va essayer de vider en vue intérieure. Ce qui est assez dur à faire. Vitesse 15. Puis ce stop. Trop débile. Bon, pas grave. On se met. Ah ok, aussi si je me colle à lui alors qu'il a un grand bras, hein. Vas-y, avance. Prends ton temps. Hop. En fait, il y a déjà plus rien dedans. Ok, donc pour celui-là, c'est fini. Ensuite, celui-là, il a bientôt terminé. Ouais, il y a encore le petit. Voilà. Hop, une fois qu'il a terminé celui-là, on va aller l'emmener de l'autre côté. Ensuite, on va pouvoir aller vider notre remorque. Même avec deux tracteurs, même avec deux moissonneuses, pardon, ça va pas encore assez vite. On est toujours en train d'attendre. Enfin bref, c'est pas grave. Ça va pas bloquer. C'est chaud, mais ça passe. Allez, tu vas te dépêcher toi. Ce tracteur là, j'ai vu une photo en vrai, il est vraiment mais gigantesque. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais en tout cas, ce tracteur là, il est vraiment gigantesque. Le truc entre le jeu et la réalité, enfin, il y a vraiment une grosse différence quoi. Le truc limite, il fait la taille de celui là-bas, voire encore plus. Voilà. Celui-là il est fini. Du coup lui il a déjà fini. Mais il va trop vite. Attends.
Hop, on va le garder sur le côté. On va replier. Mince. Ah, mais pourquoi j'ai le phare? De toute façon, il fait une X. Hop, on le met là. Et puis voilà. Ensuite. Ok. Donc, si on va de l'autre côté, on va attendre encore un peu. On va aller mettre ce tracteur de l'autre côté. On va mettre un petit peu en vue intérieure, les phares. Et c'est parti. Voilà. J'ai l'impression de pas avancer avec ce tracteur alors que je fais à 50 km/h, c'est trop bizarre. Je sais pas pour vous, mais moi, enfin, j'ai l'impression de pas avancer. Hop, non. On va essayer de faire comme dans la réalité. Même si juste après, je m'apprête à faire une énorme bêtise dans la vie réelle en tout cas. Alors que dans Farming Simulator, ça ne change rien. Hop, allez, c'est parti. Celui-là, franchement. Allez, allez. Je crois qu'on est plus. Oh, on bloque tout. On fait n'importe quoi. Franchement. Du coup, je suis plein. On va les vider. Il y avait une forte demande de colza, il me semble. Il me semble que c'était au moulin. Hop. Hop. Ouais. 3804 au moulin. Donc. C'est quand même beaucoup. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Go vers le moulin. Le moulin, c'est là, il me semble. C'est derrière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça, je ne me trompe pas. Je ne suis pas très bavard aujourd'hui, je sais. Ils doivent se dire, mais parle pas beaucoup aujourd'hui. Oui, je sais, c'est. On est en fin de journée. Je parle pas beaucoup. C'était juste parce qu'il fallait que je fasse des vidéos en avant. Je vais vous faire sûrement une vidéo spéciale pour vous annoncer ce qui va arriver ces derniers temps. Parce que le rythme des vidéos, j'espère, ne va pas être freiné. Mais simplement un tout petit peu ralenti. Enfin, c'est rien de grave. C'est juste une bonne chose. Hop, on va le vider. On va voir combien ça va nous rapporter. J'ai peur. Hop, on va voir ça combien ça va nous rapporter. Ouh, ça monte très très vite. Ça monte très 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 vite. Ouh là 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 là. On est riche les amis, on est riche. Regardez-moi ça. On est riche. Oh là 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 là. Oh là là là, on est riche. Je pense que en fait, je vais acheter. Je sais pas en fait. Je pense que pour l'instant, je vais pas dépenser d'argent. Je retire ce que j'ai dit sur les champs la dernière fois et je vais vraiment essayer de trouver quelque chose. Enfin, je sais pas si on se lance dans l'ensilage. Du côté des patates, des betteraves. Franchement, je sais pas. Je serais plus pour l'ensilage. Mais en même temps, ça me freine parce que j'ai toujours rien trouvé. Même si je continue à chercher, je continue à chercher. Mais je trouve rien du tout. Donc pour l'instant, on continue au colza avec cette augmentation des prix. C'est très très bien. On va, quoique, on va peut-être aller mettre toutes. Hop, parfait. On va aller vider ce qui nous reste. Je ne sais plus ce qui nous reste. Où j'allais rentrer là. Je sais plus ce qui nous reste. Il doit nous rester le maïs, peut-être. On va bien voir ça. Il doit nous rester le maïs et puis. Qu'est-ce que j'aurais pas pu vider? Ouais, bon, le maïs, on va voir ça. Et puis l'orge, je pense.
Parce que, ouais, le maïs et l'or, je pense. Hop. Ouais, c'est ça. Alors, on va regarder. Ford production au dépôt, donc c'est 1021. 895 au moulin. Ok. 1010. Ça m'arrange pas trop ça parce que je sais pas où est le dépôt. Je vais regarder ça sur ma petite carte tout de suite. Hop, ma petite carte. Elle est où? Elle est là. Donc le dépôt, il est. Hop. Désolé, je cherche en pleine vidéo. Mince. Et il y est pas. Et je sais pas pourquoi. Attendez. Pain, boutique agricole, un village aussi. Auberge, coffrette, macaron. Fait un crèmerie, jardinerie, après. Boulin, puis après, parcours. Alors là. Je sais vraiment pas où il est. On va voir où ça peut être sur la carte. Hop. Voilà. Donc, où ça peut bien être sur la carte. Le dépôt, attendez. L'auberge, le moulin. Franchement, je sais vraiment pas. C'est pas à côté du champ numéro 10. Non, c'est l'auberge à côté. Non, je crois pas. Je sais plus. Il me semble que c'est là-bas le dépôt. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait super longtemps que je joue sur cette map, mais je sais toujours pas où est le dépôt. Attends. Mince, je fais tomber ma petite carte. Je suis mal droit. Le dépôt. Lag. Tat lag. Aïe. Ah, mais du coup, je fais n'importe quoi. Bon, deux choses en même temps, ça me réussit pas, moi. Hop, le dépôt. Attendez. Hop. Oh. Je fais n'importe quoi. Pas grave. On continue. Et en fait, j'ai fait demi-tour. J'ai pris la mauvaise. Bon, je vais me concentrer sur la route. Plutôt que. J'ai pas vu ce que je faisais, mais ça avait l'air laborieux. Je sais pas quelle route prendre. Hein. Alors, vous savez quoi? Je vais faire ça. J'espère que je vais pas faire d'accident. Ça fait très longtemps que je. J'ai pas fait ce genre de choses. Je faisais ça quand je connaissais pas la map. Hop. Enfin, je la connais toujours, pas entièrement. Ah, oh, ici, c'était là où je me bloquais tout le temps avec le petit tracteur vert. Sur la Xbox. Hop. On va se mettre en vue extérieure quand même. Hop. What? Ah ouais, c'est haut quand même. Je ne ferai jamais ça avec mon tracteur ni avec n'importe quoi. Je ne descendrai tout simplement jamais cette montagne. Quel que ce soit, avec quel véhicule ou n'importe quoi, avec une corde ou un truc comme ça. Et en plus, on peut même pas rentrer. J'ai fait une grosse erreur. Sur ce coup-là, j'ai été bête. Franchement, j'ai été très très bête. Hop, on va passer 3 heures à essayer de trouver l'entrée d'une simple coopérative. Le tracteur il faut le dingue. Du coup attendez, juste aller voir. Ça a fait boum. Hop, donc on va t'avancer. Du coup depuis tout à l'heure je paye des choses pour rien. Voilà. Donc toi on va juste trouver ça. Hop. Et on va continuer. Hop. Ouais, lui. Allez, avance. Voilà. Lui, il met longtemps à avancer, mais une fois qu'il est parti, c'est bon. Hein. Il explose tout. C'est parti. Mon kiki. Hop. H. C'est parti.
Voilà. Ensuite, lui il a fini. On est à la bourre. Je perds du temps. Pour rien en plus. Hein. Juste parce que je sais pas où est le dépôt. Attendez. Bon, je réviserai ma map. Hein. Hop. Je me prends un caillou en plus. C'est la catastrophe. On n'est même pas sur une route. C'est n'importe quoi tout ça. N'importe quoi. En plus, ici, il me semble que c'est la gare. Enfin, je sais même pas s'il y a la gare d'ailleurs. C'est pas grave. On le vendra ou on le vendra. Hein. Vous savez quoi? Je vais rentrer ici. Hop. Et c'est où du coup pour vider? Ah, date lag. Ça fait 16 minutes que je fous rien du tout. C'est splendide, c'est splendide. Splendidement splendide. Allez. On se presse un petit peu, j'aimerais bien finir tout ça aujourd'hui. Hop, on va tourner ici. Waouh, c'est quoi ce truc de malade? Oh le. J'avais jamais vu ça! C'est quoi ce train? Et. Où on vide? Bien, je ne sais pas. Alors, je vais dire, franchement, je me suis fait chier pour rien. Alors, on va aller à un autre endroit. Vous savez quoi? On va aller là-bas. C'est sur la route. C'est parfait. En attendant, je pense que lui, il a fini. Oui. En attendant. Il est bloqué pour rien. Oh, il en fume tout l'autre. Allez, appuie sur le champignon. Hop, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, j'attends. Et juste à conduire. On est vraiment en retard. Pour le coup, là. Moi qui voulais pas faire une vidéo trop longue pour pas que le plot dure 2 jours. Comme la vidéo précédente. Allez. Hop, on tourne comme ça, voilà. Hop. Et on dit que c'est là. Ah, ce truc est totalement cheat. Doubler des voitures. À 50 km/h. J'aimerais tellement faire ça en tracteur. Le truc le plus dangereux de l'univers. Surtout qu'après, on a failli faire un accident avec la voiture. Hop. Voilà. C'est parfait. Hop. C'est parfait. Maintenant, on va retourner... On va retourner à notre ferme. Hop. Je vais garder la map parce que cet endroit-là, mais je ne connais vraiment pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est vraiment, mais pas du tout. Je suis perdu, complètement perdu. Non, je vais pas faire ça parce que sinon... Même en montée, vous savez quoi, on va à 50 et on double une voiture même en montée. Pire que c'est que c'est des Bentley, les trucs. Ils sont tous riches ici, ils ont tous des Bentley. Pardon, j'arrête pas de toucher mon micro depuis tout à l'heure. Ce n'est pas grave. J'ai plus besoin de la carte, donc on va pouvoir l'enlever. Hop, hop, hop. Ouais, oui, j'ai réussi à l'enlever sans faire d'accident. Je suis plus perdu. Hop. On va pas tenter le diable. Dans la vraie vie, ça aurait été la catastrophe. Ça, parce qu'une voiture ne freine pas comme ça, tout simplement. Allez, on tourne. Aïe, 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 aïe. Hop. Voilà. Je conduis comme une bouse.
Une vraie bouse. Une grosse bouse. De vache. J'ai trouvé comment je conduis. Ouais. Je conduis comme une bouse. Bon, on va s'acheter un autre déchaumeur avec un autre petit tracteur. Hop. Celui-là, on va aller l'emmener là-bas direct. Pour ne pas perdre de temps. Parce que là, vous voyez que je paye pour rien. Et lui, il veut pas accélérer. Hein? Hein, accélère, voilà. Appuie sur champignon. Hein, tu vois, tout là. Non, non, c'est moi. Je m'engueule moi-même. Je suis bizarre. Allez, ça avance pas. Plus vite que ça. Le jour où je ne m'endormirai pas. Le jour où je m'endormirai au volant de ce tracteur, c'est totalement normal. Il est tellement lent que. En même temps, il est quand même gros. Hop, X. C'est parti. Il est tellement lent, dur à contrôler. Quoi d'autre? Encore comme défaut. Gros. Quoi d'autre? Long à accélérer. Il a plein de défauts, ce tracteur. Énormément de défauts. En plus, il laisse une petite bande. Et bah voyons. C'est du propre. C'est bon, solide. Ouais, parfait. Ouh, il y en avait beaucoup à vider dans son sac, lui. J'ai fait des bêtises. Hop, on va ranger ça. Pour replier la coupe, c'est X, il me semble. Parfait. Ah, ça, c'est vraiment super pratique. Franchement, pour rouler sur la route, je sais pas si ça existe en vrai, mais si ça existe en vrai, ça de, celui qui l'a, ça doit être vraiment génial pour lui, quoi. Enfin, sauf quand il est à l'intérieur, quoi. Parce qu'on voit que dalle. On ne voit que dalle. Aïe. Je suis mal assis et mal aux fesses. C'est la catastrophe. Moi qui voulais pas faire une vidéo trop longue, elle va faire encore 30 minutes. Le temps que j'achète mon tracteur et tout ça. Mais enfin, c'est pas grave. J'aime bien faire des vidéos de Farming Simulator. C'est même ce que je préfère faire. Pour tout vous dire, je préfère faire du Farming Simulator. C'est pas le cas de tout le monde, mais je préfère faire du Farming Simulator que du Minecraft ou du Clash of Clans ou n'importe. Je vais pas dire n'importe quel autre jeu parce qu'il y en a que je préfère, mais. Par exemple, comparons à GTA 5. J'aime autant Farming Simulator que GTA 5, je le dis. J'adore ce jeu autant que GTA. Je sais que il va y avoir. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas de cet avis. Enfin, même pas grand monde ne sont de cet avis, mais bon. C'est mon avis. Il est personnel. Et puis voilà. Ah, on doit aller chercher le tracteur. Voilà. Appuie sur le champignon. Tra la 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 la. On va aller vider cette benne. Après, on va s'acheter notre nouveau petit tracteur. Peut-être un nouveau champ. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. On va se mettre en vue intérieure. Hop. J'allais retourner à la ferme, mais non. T'as encore du boulot, toi. Je dois encore aller vider quelqu'un. Je ne faisais pas de mauvaise allusion en disant aller vider quelqu'un. Allez, on voit. Voilà, ça marche. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Il y a encore la promo, on y va. On en profite. I go to the. Comment on dit moulin en anglais? Je ne sais pas.
Même coopérative, je sais pas non plus comment on dit. Enfin, c'est pas grave. Allez. Ah oui, aussi je voulais vous parler d'un truc. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo de Clash of Clans. Je sais pas si vous avez vu, c'est très blanc. Il y a eu un problème au niveau du record et j'avais pas envie de retourner ça parce que, à vrai dire, j'avais pas vraiment le temps. J'ai fait ça vite fait juste avant de repartir, tout simplement. J'ai fait ça. C'est pour ça que la vidéo n'a pas duré extrêmement longtemps. J'ai fait ça vite fait, après j'ai fait le montage le soir. Enfin, en ce moment, je sais que c'est un peu un week-end à rallonge, mais j'ai vraiment pas le temps. Et surtout, c'est cette dernière. Enfin, les semaines qui vont suivre, je n'aurai mais vraiment pas du tout le temps de faire des vidéos. Voilà. Et du coup, comment j'ai. Oui. Du coup, on va revenir sur Clash of Clans. Je suis vraiment désolé de l'image blanche, franchement. Et j'essaierai de vous refaire des vidéos de Clash of Clans en essayant que l'image ne soit pas blanche. Et si vous avez une solution pour que l'image soit moins blanche, n'hésitez pas à me la dire, comme ça je réuploaderai une vidéo, mais pour que les pour que l'image ne soit soit moins blanche, quoi, pour que ce soit plus agréable à l'œil pour vous. Voilà. Hop, donc celui-là, on va le ranger. C'est parti. Il s'est arrêté d'un coup, je sais pas pourquoi. Hop. Appuie sur le champignon. Voilà, parfait. Tournez à droite. Hop. Il reste combien de temps? Ça fait déjà 27 minutes. Donc je ne vais pas ranger ce tracteur, je vais le laisser là pour le moment et on verra le ranger plus tard. Si bien sûr il veut bien redémarrer. Ouh, j'ai peur, j'espère que ça va pas planter là. Oui, c'est bon. Ouh. J'ai eu vraiment peur là pour le coup. Hop, on va le ranger à l'arrache ici. Hop. Vous savez quoi? Il est très bien comme ça. Lui, il avance pas bien vite. Toi, on va attendre. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et toi, on va te rentrer. Hop, et c'est parti. Hop. Allez, go. Plus vite. Ça avance pas. C'est pas grave. J'hésite à acheter ce champ. Est-ce qu'il est à côté? Il est. Quoique. Enfin, il est quand même cher, quoi. J'hésite, mais. Non, pas tout de suite. De toute façon, on n'a pas le temps. Hop. Ça rentre ou pas, là? Entre le petit tracteur et le poteau. Oui, ça va rentrer, quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Et non. Ça rentre pas. Ça rentre pas. On va devoir aller le ranger dans notre garage parce que j'ai tout rangé en bordel. Demi-tour toute et c'est parti. Hop. Voilà. J'aimerais pas que la vidéo dépasse 32 minutes. Ok. On se dépêche, allez. On va dans. Non, pas ça. On va s'acheter un nouveau déchaumeur, donc le même, parce qu'il est très bien. Et vu que j'ai pas envie de mettre cher dans un tracteur, on va pas s'embêter, on va prendre. Ça, je sais pas ce que c'est. On en a déjà un. Je sais pas ce que c'est. Alors, on va s'acheter ça. Ah ok, c'est lui.
Bon, tant pis. Je pensais pas acheter lui, mais bon. Hop, ok, c'est bon. Tu vas bien, franchement. Hop. Ok, on n'aura pas dépensé beaucoup là pour le coup. Hop, on tourne. C'est vraiment assez facile à contrôler avec ces déchaumeurs. Franchement. Pourtant il est assez grand, mais. Mais bon. J'ai pas le gros débat que ça. Il laisse des traces, etc. C'est pas super super. Et si on a gagné notre pari, notre vidéo ne dépassera pas en tout, je l'espère, les 30 minutes. Les 32 minutes, pardon. Et je pense que j'ai gagné mon pari. Hop. Je vais mettre vite fait celui-là. Hop, voilà. En recul. Enfin, si elle durera plus que 32 minutes avec l'intro, mais bon. Allez, c'est parti. Donc toi, t'es parti. Et on va finir. Ah, non, non. Avec notre magnifique camion. Qu'on va démarrer. Et on va aller avec. Et avec ce magnifique camion, je vais vous dire au revoir. Ah, non. Plus que 30 secondes. Allez. Et forcément, il y a le lag. Ah là 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 là. Allez, le temps augmente. On se dépêche. On se dépêche, allez. Bon, je ne vous dirai pas au revoir sur la route. Mais ah, j'aimerais bien. Donc c'était. Salut à tous. C'était MaxDK16. Et puis salut, bye bye, ciao. Ah c'est bon, le lag s'est arrêté. Et ciao.